Eh bien, Couleur des larmes, en fait, c'est une exposition. C'est d'abord en fait un livre qui a été fait avec Michel Ménaché, qui est poète et qui est à Lyon, et qui est venu dans mon atelier, qui a commencé à m'envoyer un texte. Il a réagi en fait émotivement à ce qu'il avait vu. Et puis voilà, il est revenu, et puis après je lui ai envoyé d'autres images, etc. Et il a écrit une vingtaine de poèmes qui ont donné lieu à un livre édité aux éditions Bruno Doucet. Et la médiathèque, quand elle a vu la parution du livre, m'a très gentiment proposé en fait de faire une exposition autour de cet ouvrage. Donc ici, ce qu'on voit, c'est ça. C'est un peu en fait le regard de Michel Ménaché dans mon atelier. Donc c'est une coupe un peu transversale de mon travail depuis, on peut dire, les années, bah peut-être. Celle qui est derrière, c'est peut-être la plus ancienne, donc elle doit dater des années 2000, quelque chose comme ça. Et on doit aller jusqu'à ben, le dessin des enfants qui est au rez-de-chaussée, jusqu'à 2015-16, voilà. Disons, il y a deux parties, il y a peut-être deux parties matérielles, enfin, de façon dont je travaille. J'aime beaucoup le papier, donc c'est essentiellement, c'est tout des choses que je fais sur du papier. Et j'ai trouvé en fait ce moyen-là, c'est d'encoller un papier sur une toile qui me fait en fait un support un peu accidenté. Et un papier en plus qui est un papier très pauvre, puisque c'est du papier, des sacs des ciments, des ciments Trichiron à côté de chez nous. Et du coup, ça c'est du stylo bic et de la peinture. Donc en fait, c'est des matériaux tout simples. Ça, j'aime beaucoup que ce soit pauvre et je me sens à l'aise là-dedans en fait. Et puis j'ai continué donc à faire ces choses-là, mais plus sur en utilisant de la peinture à l'huile. Donc ici, on en a dans l'exposition. À faire aussi du dessin, donc plutôt là, carrément que du papier. Donc là, c'est des papiers, et puis toujours des matériaux pauvres, en fait. C'est du crayon de papier, du crayon de couleur, enfin, des choses toutes simples. Et des fois, des piqûres avec des aiguilles, voilà. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est la personne humaine. Donc je crois que c'est vraiment ce qui traverse mon travail. C'est à la fois c'est dérangeant, enfin il y a quelque chose je pense qui peut être très attirant et à la fois dérangeant. C'est ce couple-là qui m'intéresse, c'est-à-dire d'une crudité de l'origine, parce que quand on est tout seul dans son atelier, on s'interroge, enfin en tout cas moi je m'interroge sur que faire, et ce qui m'intéresse c'est d'aller au plus près de ce qui m'anime. Et ce qui m'anime peut-être c'est un désir de comprendre, un désir de faire quelque chose de ma vie, c'est peut-être une aventure comme ça, et c'est d'aller au plus profond de ça. Et c'est vrai que là, moi je rencontre en tout cas ce qui me détermine, c'est-à-dire mon corps,
Ça peut être mes désirs, ça peut être mes souffrances, ça peut être mes joies, ça peut être les émotions. Mais je pense que le cœur, en fait, c'est le désir qui m'anime pour faire les choses. Et du coup, qui est ce qui anime mon corps, ce qui fait que je me lève le matin et que j'ai envie de me lever le matin. Donc je crois peut-être que en tout cas, travailler, c'est rendre la vie, c'est doubler la vie. C'est-à-dire que dans la vie, moi, je m'ennuie, elle m'écrase, voilà, je suis perdue, il y a quelque chose d'obscur. Et le fait de la travailler, c'est-à-dire de travailler justement tout ce qui peut, ce désir qui m'anime ou ce qui peut m'interroger, en fait, c'est ça qui me tient, qui me permet de retravailler, en fait, en quelque sorte, la vie. Voilà. En gros. Après, les moyens, c'est secondaire. Je pense que les moyens, on utilise des moyens, je sais pas, ceux avec lesquels on se sent. Moi, j'aime bien ces moyens-là, quelque part, parce que j'hésite. Et du coup, le crayon, bah, il se gomme. Je peux monter les choses doucement, donc je peux aussi les faire disparaître. Donc ça me permet de ne... Voilà, elles sont peut-être comme la fragilité de ce que j'essaye d'attraper au départ. Donc je suis à l'aise avec ces crayons-là. Voilà, la peinture en ce moment, j'en fais plus beaucoup. Elle se mêle en fait dans les dessins, mais parce que je me suis rendu compte que l'essentiel c'était vraiment de monter mes. C'était ce qui m'intéressait le plus, c'était la première phase, c'est-à-dire faire apparaître ce qui m'animait. Voilà. Et bon voilà, mais j'adore la peinture et là des fois j'ai envie de m'y remettre, quoi. Donc c'est. Mais peu importe vraiment le moyen, je crois qu'il est secondaire. Il est vraiment au service de. Après, c'est un jeu. Les moyens sont un jeu. En ce moment, je peux parler de ce que je fais en ce moment, parce qu'en fait, c'est plus difficile de parler de ce qu'on faisait, parce que c'est aussi parti, quoi. C'est parti avec le moment où on le faisait. Mais ce que je fais en ce moment, par exemple, j'essaye justement d'amener de la couleur dans un grand dessin que je suis en train de faire. Et voilà, et j'ai mis des couleurs un peu comme ça anarchiquement, et maintenant je me dis sur ces couleurs, je vais mettre des couleurs, mais je ne sais pas ce que ça va faire. Mais c'est ça aussi, c'est-à-dire je pars, j'essaye, et puis ça fera ce que ça fera. Voilà, ça sera une marche. Il n'y a pas de brouillon, d'essai, de choses comme ça. Je ne fais pas de brouillon en fait.